Salut à tous les amis, Néo Anderson pour Endgames.com, j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous le savez, quand on parle de jeux vidéo, ça va toujours excellemment bien. Et aujourd'hui, je vous présente, tadam, Monster Hunter Stories sur Steam Deck. On est parti, le temps que hop, ça nous fasse le petit loading classique du jeu. Alors, Monster Hunter Stories, c'est un jeu qui a déjà une belle histoire. La saga Monster Hunter, vous la connaissez, c'est cette saga de chasse aux monstres de Capcom qui est apparue pour la première fois sur PlayStation 2, qui permettait même, via un module modem online, de pouvoir jouer avec ses potes en réseau. Cette saga maintenant, elle est culte, elle s'est vendue à des millions d'exemplaires à travers le monde. Le nouveau volet, baptisé Wilds, va envoyer du très très lourd pour 2025. Et ici, Capcom a décidé de remettre au goût du jour une version de son jeu qui est en fait un spin-off et qui va, plutôt que d'être une espèce d'action RPG de chasse aux monstres, faire un peu l'inverse, devenir un JRPG façon Pokémon. C'est sorti à la base en 2016 sur Nintendo DS au Japon, 2017 en Europe, pas sur DS pardon, sur 3DS, excusez-moi. Et ben voilà, on la remet aujourd'hui au goût du jour, ça sort sur Switch, PlayStation 4, forcément PS5 avec la rétrocompatibilité, et PC, bah oui, exit Xbox, mais ça avec les développeurs japonais, on commence à avoir un peu l'habitude, après c'est pas plus mal. Toujours est-il que nous allons tester le jeu aujourd'hui sur Steam Deck. Ça tourne vraiment nickel, 60 images par seconde, tous les graphismes en top résolution, enfin la totale. Il n'y a aucun problème avec ça. Le jeu vous met dans la peau d'un rider, et là on prend carrément la saga à contre-pied, dans le sens où vous n'allez pas chasser des monstres pour les tuer parce qu'ils sont dangereux, mais bel et bien les apprivoiser pour pouvoir ensuite les monter et visiter de plus grosses contrées avec. Donc voilà, c'est une petite caste hein, au sein de la saga Monster Hunter, ces fameux riders qui ont un code de l'honneur bien précis et qui ont une pierre de l'amitié pour se lier d'amitié avec les monstres. Mais ils les appellent pas les monstres, ils les appellent les monsties, c'est-à-dire que c'est la contraction entre monstre et bestie, genre le meilleur pote. Voilà, donc ce sont des monsties. Il y en a plus d'une soixantaine à récupérer dans ce soft pour environ une quarantaine d'heures de jeu. C'est assez long. Malheureusement, c'est un peu répétitif. Donc voilà, on est sur du JRPG au tour par tour, avec de la chasse aux monstres, enfin de la capture de monstres. Vous n'allez pas devoir vous combattre contre un monstre et ensuite essayer de l'affaiblir pour le capturer. On n'est pas dans un pur Pokémon-like. Vous allez devoir récupérer des œufs de monstres dans leur tanière. Tout simplement. Vous avez vu qu'il y avait une option musée. C'est l'un des petits ajouts de cette version, avec plus de 200 artworks et des musiques à récupérer. Voilà, donc ça c'est plutôt sympathique comme ajout. On peut également indiquer au niveau des ajouts par rapport à la version 3DS que nous avons bien entendu des graphismes retravaillés en haute résolution, des textures en haute résolution, un framerate au top. D'ailleurs, regardez au niveau des options, il n'y a pas 36 000 options différentes, affichage, graphisme, fenêtré, plein écran, sans bordure. On est en 720p parce qu'on joue sur Steam Deck, fréquence d'image 60 images par seconde, synchro vertical activé, qualité des graphismes anti-crénelage activé, qualité des ombres élevée. Vous allez voir que ça tourne absolument sans problème, c'est totalement et vraiment très bien porté sur Steam Deck. Alors, on est parti, on va prendre notre petite sauvegarde que l'on voit ici. Donc plus d'une soixantaine de monstres à récupérer pour 5 vastes zones à explorer. Là nous sommes dans notre petit village de départ. On peut bien entendu dormir pour sauvegarder, on peut utiliser notre coffre pour planquer des choses quand on a un petit peu plus beaucoup de place dans son inventaire. Le premier village du jeu, que voici. Pour l'histoire, quand on était jeune, on avait une meilleure amie d'enfance et un meilleur ami qui s'appelait Ren. On est parti à 3. Pour essayer de faire un rituel d'amitié, de se lier avec un monstre. On n'avait pas de pierre de l'amitié, on a pris un caillou. Et bizarrement, il y a un Rathalos qui est sorti et qui est devenu mon meilleur pote. En revenant au village, on s'est bien fait engueuler. Et on a ensuite un monstre avec une étrange aura noire qui a débarqué. Et qui a malheureusement tué la famille de mon meilleur pote. Mon Monsties s'est sacrifié pour me sauver la vie. Et depuis, les années ont passé, moi je suis devenu un rider pendant que mon pote, lui, s'oriente clairement vers une carrière de chasseur pour tuer absolument tous les monstres par vengeance. Vous voyez un petit peu l'histoire. C'est vraiment
joli, même si bon bah voilà, c'est un jeu 3DS, donc oui, il y a des textures qui ont été un peu refaites, mais ça reste quand même parfois assez simpliste. Assez simpliste. Le village, lui, a vraiment été bien travaillé, je trouve. Vous allez voir que l'extérieur, un petit peu moins. Il y a de grandes zones vides. Pour le reste, ça tourne sans aucun problème. Nous sommes accompagnés d'un petit féline qui va bien nous être utile dans cette quête. Alors, dans le village, je vais pouvoir forger ou améliorer mes armes. Voilà, il suffit simplement de trouver les bonnes matières. Première, et il faut pas farmer comme un taré, comme dans un Monster Hunter. Il faut pas battre 25 fois le même monstre. En général, 2-3 fois, vous avez largement de quoi faire. Je peux acheter de nouvelles armes. Sachez qu'il y a seulement 4 types d'armes. Donc on a notamment bah, les masses, on a le combo épée-bouclier, la grosse épée. Voilà. Il n'y a pas des tonnes et des tonnes d'armes, parfois très complexes à maîtriser, comme dans un Monster Hunter classique. Le but, c'était vraiment d'attirer un jeune public dans la saga, à l'époque, en 2016. Et à ce niveau-là, ils n'ont rien changé. On peut acheter des objets, bien entendu. On doit préparer son sac. Je vais mettre en haut à droite, je crois que je dérangerai un petit peu moins. Oui, là, voilà. Parce que, en fait, voilà, on a un sac de combat qui ne peut pas tout transporter. Donc on doit l'éditer pour prendre ce qui nous semble important. On retrouve des choses typiques des Monster Hunter, comme l'aiguiseur pour redonner toute la puissance à son arme. Mais là, c'est pas le cas, en fait. Ça donne 50% de chance d'infliger un coup critique au prochain tour. Les jumelles qui vont nous permettre de révéler les aptitudes d'un monstre. On a l'inventaire, on a une map, on a la possibilité de combiner des objets quand on récupère de nouvelles recettes, et on peut même donner à manger à ces monsties pour booster leur niveau d'expérience. L'équipement, c'est très simple. Des armes, des armures, des accessoires. C'est du RPG ciblé enfant, honnêtement. Le statut, voilà, avec moi, mes cœurs, très important, c'est-à-dire que quand j'ai plus d'énergie ou quand l'un de mes monsties n'a plus d'énergie, je perds un cœur. Au bout de 3 cœurs perdus, game over. Les notes du rider, voilà, les bases, le combat, le terrain, classique. La carte rider, voilà, le menu carte de rider te permet de voir ta propre carte de rider ou tes cartes favorites. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir faire des combats contre d'autres riders online. La monstropédie, qui est l'encyclopédie pour monstres. Voilà, il y en a des tonnes. Regardez le nombre de monsters. Voilà. Oh, une centaine finalement, j'avais dit une soixantaine, mais effectivement, ils en ont rajouté parce que j'ai oublié, si vous voulez, de compter dedans. Le fait qu'il y a eu des mises à jour au Japon, que nous n'avons pas eu chez nous, sur Nintendo 3DS. Donc il y a notamment la mise à jour 1.20 et la mise à jour 1.30, qui sont, bah, du coup, exclusives. Enfin, inédites, pardon, chez nous. Les quêtes principales, les options, et voilà. Le jeu est composé de 5 grandes zones, comme on l'a dit, pour environ une quarantaine d'heures de jeu. Comptez presque une centaine d'heures si vous voulez tout choper. Le jeu est vendu 29,99€ pour sa version de Monster Hunter Stories 1. Mais il y a Monster Hunter Stories 2 qui est sorti en 2021 sur PC et Switch, qui sort aussi sur PS4. Du coup, vous avez un bundle. Alors, 29,99€ plus 29,99€, bah, chez Capcom, c'est 59,99€. Voilà. J'aurais dit 59,98€, mais c'est comme ça. C'est comme ça, pas grave. Donc, bah oui, c'est ainsi. Hop là. Mais en plus, je crois que je dis une bêtise. Parce que c'est 39,99€ le 2. Donc non, on gagne 10€. Voilà. Mais à coup de pas, j'ai calculé un peu vite. Ok, bah sortons du village, on va faire un petit tour dehors. On a bien entendu un tableau de quêtes que l'on voit ici. On peut choisir plein de quêtes différentes, ça c'est un grand classique de Monster Hunter. Et enfin, on va pouvoir bah, faire éclore ses œufs quand on en chope. Voilà, donc on fait une boîte à œufs. On peut utiliser divers fragments d'œufs pour faire des monstres totalement dingues. On peut également utiliser un système de transmission. Autrement dit, vous allez fusionner deux monstres. Le monstre dominant et le monstre dominé. Le monstre dominé sera ensuite relâché, donc bye bye. Mais le monstre dominant va récupérer des caractéristiques du dominé. Vous pourrez ainsi avoir un monstie de glace qui balance des sorts de feu. Et ça, c'est vraiment cool. On est parti, un petit tour dehors. On peut chevaucher ces monsties. Chaque monstie a également des capacités spécial sur le terrain. Un monstie pourra sauter très haut, un autre gravir des lianes, un autre carrément nager, ce genre de choses. Certains sont plus rapides que d'autres, certains peuvent enfoncer les murs, donc voilà. Mais là vous voyez qu'effectivement, hein, au niveau texture, on reste sur du très très simple et surtout pas du très vide. Ils n'ont pas vraiment changé la carte, vous comprenez? Donc ça c'est un petit peu dommage.
Alors en termes de combat, ça va être relativement simple à vous expliquer. Vous savez jouer à pierre feuille ciseaux, c'est le même principe. Exactement la même chose. C'est attaque, technique, vitesse. Donc l'attaque bat, si je ne dis pas de bêtises, l'attaque bat la technique qui bat la vitesse, qui bat l'attaque. Voilà. Les combats se font donc avec mon personnage et mon Monsti. Le Monsti choisit automatiquement ses attaques, mais je peux éventuellement lui demander de faire une attaque spéciale. Sinon, il va choisir son attaque entre vitesse, entre force et entre technique. Donc là, je sais que le monstre que j'ai en face de moi, qui est un Vélocidrome, si je ne dis pas de bêtises, utilise principalement des attaques de vitesse. Je le sais à force de l'avoir combattu. Donc forcément, je vais utiliser une attaque technique. Voilà, il fait une attaque de vitesse. Wow. Et donc, je fais un duel avec lui, et je gagne. Donc je fais beaucoup de dégâts, et lui ne m'en fait que deux. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Si on fait la même attaque, forcément, on s'infligera des dégâts, je vais pas dire identiques, mais en tout cas, le max de dégâts qu'on peut faire. Et ainsi de suite. Si j'utilise la même attaque que mon Monsti, et qu'en plus, on supplante l'adversaire, imaginons qu'ici, mon Monsti fait une attaque technique, donc pour battre l'attaque vitesse du Vélocidrome. Moi, je fais une attaque technique, alors on a accès à une attaque duel, une attaque duo, qui est vraiment très 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 puissante, et qui est vraiment très très fun à regarder. Pour dynamiser les combats, on a aussi parfois quelques petits affrontements, il faut appuyer sur A comme un taré pour gagner. Voilà, hop, on va le prendre par derrière. Alors, il fait une boule de feu, et ben moi du coup, je vais faire un talent, je vais faire lacération. J'ai également une jauge d'amitié qui va se remplir petit à petit. C'est la jauge que l'on peut voir en bas au-dessus des cœurs. Quand elle est pleine, je peux chevaucher mon Monsti, ce qui nous fait gagner à tous les deux un boost d'attaque et de défense. Mais je peux également utiliser ma pierre comme attaque spéciale. Là, ça me fait descendre de mon Monsti, mais ça fait énormément de dégâts. Boule de feu, chabuleux! C'est chabuleux! Boum! Adios! Oh là, on est volontairement contre des monstres très peu puissants. Choc! Voilà. Je vais vous montrer maintenant, eh bien, une petite tanière. Quand vous battez de gros monstres et qu'ils sont épuisés, ils se réfugient parfois dans leur tanière pour un ultime affrontement. Si vous le battez, vous pouvez récupérer éventuellement un œuf, mais la plupart du temps, l'œuf se trouve déjà dans la tanière et vous allez devoir le prendre et vous barrer tout doucement. Si votre œuf ne vous plaît pas, vous pouvez refouiller au même endroit et obtenir un autre œuf. Au bout de 3 ou 4 fois, il n'y a plus aucun œuf disponible. Résultat des courses... Par là ? Non, par ici. Résultat des courses, vous prenez l'œuf qui reste et vous essayez de vous enfuir sans que le monstre ne vous voie. C'est pas la peine, c'est par où alors ? Par là. Attendez. Voilà, par ici. En plus, je suis comme un gros malin, j'ai masqué ma map. On va faire ça. Que je puisse au moins voir ma map un petit peu. Il est temps de se battre. Alors lui, par exemple, c'est un ennemi qui va utiliser principalement sa grosse défense. On va faire force en espérant qu'il m'attaque pas. C'est parti, une attaque duo. Pourquoi ? Parce que la force bat la technique. On peut changer une fois par tour de Monsti pour prendre celui qui est le plus à même de gérer la situation. Comme on l'a dit, certains Monsti sont ciblés vitesse, d'autres plus technique et ainsi de suite. Bon, là je peux pas passer. Ma carte, elle est où ma carte ? Ici, d'accord. Là c'est fermé, là c'est fermé. Mon entrée, elle était... Par là. C'est là que je suis arrivé. On va regarder. On va aller mollo. Non. Ok, alors c'est à gauche. Voilà. Donc là, j'aime beaucoup mon petit monstre. Super sympathique. Mais par la suite, vous aurez des monstres encore plus titanesques. Rassurez-vous. Je sens un truc, ça commence par un M, reste sur tes gardes. Oui, il y a un monstre. Et là, à mon avis, c'est un nid d'Azuros. Alors, je peux y aller mollo, mais nous, on y va à fond. On va même changer de monstre pour l'occasion.
Voilà, bah tiens, on va prendre Zuzu, qui est mon Azuros à moi. Allez, Zuzu! Wouh! Fight, Zuzu! Fight! Elles ont l'air très... Oui, il peut faire très très mal. Très 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 mal. Une attaque technique, ok, bah je vais le suivre, hein. Je vais suivre mon Zuzu qui fait une attaque technique. En espérant que le monstre fasse une attaque... Vitesse! Mais ça m'étonnerait. Attaque force. Ah bah là on perd le duel, donc on va s'en manger plein la gueule. Boum! Tiens! Coup de cul. Il fait une attaque force. Il fait une attaque force, tant qu'à faire. Voilà, là on est... identique. Boum! Ça lui fait mal. Pouvoir du miel, il va se remettre de l'énergie. Donc je vois qu'il a fait, en fait, principalement force. Donc moi, je vais faire vitesse. Griffe impitoyable, ça c'est un super pouvoir. Les super pouvoirs n'ont en général pas d'affiliation. Donc c'est vrai que quand on compare à la version 3DS, qui était en basse résolution, elle est très pixelisée, très baveuse même par moments, et qui souffrait de soucis de framerate, ici on est vraiment au top sur Steam Deck, c'est clair. Double force, vu que lui n'attaque pas, ça peut nous permettre de faire une super. Let's go. Non, une simple. Oh, oh! Il a lâché un objet. Boum! Fais attention, il est de retour. Et voilà. De quoi dynamiter un tout petit peu le gameplay. Pouf. Alors il y a aussi ce genre de combat, mais avec des monstres qui sont capables de voler. Et du coup, vous les voyez tous les deux voler, vous devez appuyer sur A pour dépasser l'autre en hauteur, et ensuite lui retomber dessus. Ça dynamise un petit peu le côté tour par tour, très lent des old school JRPG. C'est pas mal, c'est pas mal. Honnêtement, voilà, ils ont fait des efforts. Oui, bah oui, je sais bien que je descends devant mon style, c'est ce que j'essaye de faire, mon gars. Alors, est-ce que j'ai trouvé un œuf sympa? Il ne sent rien du tout. Trop nul! Il est léger. Mais j'ai déjà eu en plus un œuf comme ça. Non, j'ai déjà eu. Dernière fois, allez, tant pis, on s'en fout. Non. Et voilà, les œufs, ils ont disparu. Bon, là, forcément, il n'y a plus de monstres. Il y a plein de denrées aussi à récupérer, bien entendu. Voilà, les fleurs, il y a des champignons, il y a des objets à miner. Et ce que j'aime bien, c'est que pour accélérer le rythme du jeu, on n'a pas le mouvement. Où on va prendre la pioche et faire clac, 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 comme dans les Monster Hunter classiques. Parce que tout ça, au bout d'un moment, c'est... Là, non, en fait. On passe, on fait hop, et on prend direct la denrée. Quelle que soit la denrée. Ah, on a eu un... 9 d'herbivore. Eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille le faire éclore. Allons-y, gaiement. Peut-être changer de monstre, parce qu'il est hyper lent. Voilà, on va prendre un petit vélocidrome que j'ai appelé Rapti. Très sympathique. Vous voyez, là, c'est vraiment vide. Quand on voit qu'il y a des softs comme... Je suis désolé, mais sur 3DS, on a quand même eu la transposition d'un Xenoblade Chronicles, premier du nom, sur la New 3DS, qui était vraiment très bon, avec des décors extrêmement vastes, mais extrêmement remplis. Ici, on est vraiment sur quelque chose de simpliste au possible. Tiens, encore une caverne avec un œuf à récupérer. On va aller faire grandir notre œuf, et puis on finira ce vidéo-test avec une seconde zone à vous montrer, une zone un peu glaciaire. Il y a des voyages rapides, je vous rassure, vous avez une charavane. Par ici, mon œuf. Voilà, faire éclore mon œuf. Boîte, faire éclore un œuf. Et là, on tape dessus comme un fou pour lui donner quelques petits pouvoirs. Voilà, PV, défense, attaque. Et hop, c'est quoi? Ah bah voilà, un aptonote. J'en ai déjà deux même. On va le garder. On va lui laisser son nom. Hein. Aptonote, c'est très bien. Oh mince, non, non, non. Non. Ah, oh, j'en ai déjà un. Bon, Apo. J'ai déjà un aptonote qui s'appelle aptonote. Je sais, c'est un peu con, mais c'est comme ça. Oui. Oui, il n'y a aucun problème. J'ai envie de voir si je trouve des œufs.
place à la charavane. Merci. Appel charavane, on va aller vers l'entrée de la galerie hivernale dans le glacier de Darge. Présenter 2-3 autres petits combats. Et bien entendu, la liste des points positifs et négatifs de ce soft. Regardez comme c'est joli, c'est mignon, mais c'est vide. C'est dommage. C'est très dommage. Petite fight peut-être? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver de beau par ici? Allez, un petit combat. Il y a plein d'endroits où choper des oeufs en plus. Ne charge pas comme un bullfrog. Go, on pourra toujours venir plus tard. Je peux pas y aller. Il me faut un bullfango, mais j'en ai un, non? Popo, Zuzu, Bulldrome. Yo! D'accord, je peux pas non plus. Bon, c'est pas grave. Oh, sérieux? Je vais essayer ça. Change! Charge! Non, mais je veux charger, moi. D'accord, ok, ça marche pas. Certains peuvent trouver des trésors cachés également. Très pratique. Ok, on est parti. Il tourne vraiment très difficilement, mon petit gars. Vous voyez, là, par exemple, je fais pas, je n'ai pas à cueillir et à faire le geste de cueillir. Je suis sur mon bullfango et je peux absolument tout faire. Allez, anti fight. Il y a des objets et un trésor. Poussez-vous ! Alors, point positif et point négatif de ce Monster Hunter Stories. Point positif, la transmission pour créer des monstres ultimes. Moi, j'aime beaucoup parce qu'on peut comme ça créer un petit peu plein de folie. C'est un bon portage de la saga Monster Hunter en JRPG. C'est parfait pour les plus jeunes joueurs, c'est un fait. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Attaque technique? On va essayer. J'espère vraiment pas me tromper. Bam! Ouf, ça fait mal ça. Visuellement, il est sympathique parce que je trouve que voilà, ils ont refait la résolution, on est en full HD, c'est en 60 images par seconde. Mais, point négatif, les décors sont vraiment un peu vides. Ouh, attaque force, ça bat la technique. La bande son est excellente, en plus c'est doublé en anglais ou en japonais à présent. Le prix est réduit, c'est ultra fluide. On a une vraie volonté de rendre les combats plus dynamiques. Plein de petites idées sympathiques. Les updates nippons sont présents et 40 heures de durée de vie minimum. Pour les points négatifs, il y a des micro-loadings qui sont parfois un peu relous. Il est un peu répétitif sur le long terme. Le récit est simpliste. Et le principe des combats en pierre, feuille, ciseaux, ça limite un petit peu le tout. Ça limite un petit peu le tout. C'est rigolo, les 10 premières heures, mais après ça devient un petit peu... Donc voilà. Maintenant, si vous êtes fan de Monster Hunter, c'est une belle transposition de la licence en JRPG. Et c'est pour ça que je lui donne 17 sur 20, parce que c'est vraiment plutôt bien fait. Et on prend beaucoup de plaisir à jouer à ce Monster Hunter Stories numéro 1, qui sort, on vous le rappelle, sur Switch, PC et PlayStation 4. Le 2 est déjà disponible sur PC et sur Switch. Attention au framerate sur Switch, il n'est pas top top. Mais vous pouvez maintenant l'avoir sur PlayStation 4, puisqu'il sort le 14 juin en même temps que ce premier volet. Et vous aurez la saga complète pour 60€ si ça vous intéresse, vous êtes parti pour des centaines d'heures de jeu. Je vous dis à très bientôt sur ngames.com. Je vous adore les amis. Ciao à tous, n'oubliez pas de vous abonner. Le petit logo NG en bas à droite, vous cliquez dessus. Vous vous abonnez à la chaîne et vous cliquez sur la cloche pour les notifications. J'ai pas assez d'amitié pour balancer ça, c'est pas grave. On va combattre, on va faire force. Allez, c'est parti. Accablement. Boum! Oh, on devrait le massacrer. C'est parti. Oïch. Boum! Il est mort. Ah!
À très bientôt les amis, je vous adore. Ciao à tous. Bye.